Salut tout le monde, bienvenue mes petites poulettes, on se retrouve pour la suite du let's play de The Wolf Among Us. Donc une fois qu'on avait tout trouvé. Donc c'est bon, je pense qu'on peut partir, ouais. Je pense qu'on peut... Ah quoique, attendez. Je baisse un petit peu le son, parce que c'est un peu fort. Je vais essayer d'aller dans le... Non, je peux pas. Ouais, bah alors c'est bon, on peut partir. On avait vu que notre copine avait été tuée. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? Je pense que c'est un message. Ouais. Je pense que c'est le bûcheron là qui a dû nous menacer, nous dire. Get complaints at the office all the time, but just what about this makes you think that? Ouais, je pense que ouais, la menace du bûcheron, c'est bien, je pense. Me in the room. Maybe he wants me to know that he did it. I suppose it's possible. Ouais, ouais, c'est pas complètement fou comme théorie quand même. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. Le roi Cole. And he's going to find out anyway. So we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like. Pour l'instant, on attend un petit peu. He's our boss. This is part of the job. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. Le dire à Crane. Motivation I need to find out who did this. That sounds. Je comprends pas trop l'histoire encore du truc, mais bon. I don't know. I'll think about it. On verra bien. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'infos sur la fille, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas spécialement d'infos quoi. J'aurais dû lui demander son prénom, lui passer de l'argent. Du coup, il l'a peut-être tué pour récupérer son argent que je lui ai donné. C'est peut-être pour ça en fait. Non mais c'est vrai que c'est louche quand même. Là, il y a le chanteur de Fall Out Boy. What, are you blind? Why, you don't see there's a line? Oh. Tu vas t'en prendre une, je le sens. You get to just walk in. Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. Je travaille ici, ouais. J'ai tous les droits. And what great work you do, sheriff. Bah justement, je suis shérif. That didn't feel very genuine. En plus, j'ai un superbe bureau. Fucker. Ah non, même pas, c'est même pas le bureau. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow, the one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Dis quelque chose, ce personnage. You are to blame for this unpleasant. C'est pas genre dans Alice au pays des merveilles, un truc comme ça? As soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. Oh, j'avoue, this is a disaster. Who else is to blame if not you? C'est un peu ma faute. It's not her fault. I don't need your help, Bigby. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, says the man who is most to blame for this catastrophe. How convenient. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety. Je sais pas s'il aurait pu tuer quand même si on avait choisi d'autres réponses. Are there any leads, suspects, anything, anything at all, any shred of evidence you two know what the hell you're doing? The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman. Ouais. De ce qu'on sait là, je pense que ça peut être que le bûcheron parce que. On a vu personne d'autre encore, ça peut pas être le crapaud non plus. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Par contre, texte violet sur un costume violet, voilà, ça se voit pas trop. Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Massage. Where is the bottle of wine you were to purchase? Je l'ai bu. Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, sheriff. Or we'll find someone who can.
Elle va vous faire foutre. You would have just pissed him off more. Oh merde, j'ai failli l'insulter. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. You don't have to. Ah, mais en plus, ouais, je lui ai dit de. To have more to offer. Get our ducks in a row. Je lui ai dit de pas le raconter tout de suite. Elle, elle le dit quoi. Crane doesn't like en fait, smoking. And... Never mind. Smoke away. C'est quoi le truc avec le vin? Wine to a massage. Probably a gift. The weird part of that is that he's actually being nice to someone. Je crache pas fumer dans la gueule, la pauvre quoi. Is he gone? Yes, thankfully. Qu'est-ce que c'est que ces animaux là? Un singe avec des ailes. C'est quoi ces trucs? Je veux bien qu'on soit dans une fable, mais quand même. Oh Buffkin. Putain, c'est lui qui avait le truc. Hello, Miss Snow. Drinking this early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Maintenant c'est eux qui veulent boire, c'est. How are you today, Mr. Bigby? Va chier. Non, elle a l'air gentille. Thanks for asking. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Putain, c'est une bibliothèque en fait. He knows the ones I'm talking about. Putain, tous les bouquins qu'il doit avoir. On her here, somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Miroir, miroir, really qui est le plus beau. Appointment squared away, but let me know if you need anything. Hello, Vivian? Il y a trop de trucs à vérifier, j'aime pas. Oh. Magic lamps are pretty much just lamps after the genie's been freed. J'espère qu'on va avoir le génie comme dans Aladdin, ça serait marrant quand même. D'avoir le même avec nous. Worth a try. Ok, il n'y a personne. Bon, bah tant pis. Hey, Magic Mirror. I got a question. You know the rule. Oh putain, la gueule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel. But have some respect for our history and rules. Mirror, mirror, if you're able, tell me all about this fable. See, was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Oh, le bûcheron... Blanche, on s'en fout d'elle, non? Buffkin, je sais même pas qui c'est. Ah, Buffkin, c'est le singe là. Je ne connais pas son nom. Bah, le bûcheron. Show me the woodsman. Ou alors j'aurais pu savoir elle, savoir des infos sur elle, mais bon, c'est pas grave. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Ah bah je peux demander plein... Bah c'est I don't bon, know her name. En tout cas. Not yet anyway. Well, until you do, ah putain, faut que je trouve son nom pour savoir. Blanche. Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Je sais pas pourquoi je sens qu'elle va nous tromper, ou... enfin nous tromper dans le sens où elle va nous... Je pense qu'elle va nous entuber au bout d'un moment. Buffkin. Hey! Put down the bottle and get to work. Still looking. Mais qui est trop grillé. Mais dis dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vraie vie, tu vois, ça existe. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Je vais voir si je peux pas essayer de trouver le nom de la de Miss Coquine. Elle est au téléphone depuis tout à l'heure, elle parle même pas. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay.
Thank you. En plus, j'avais trouvé un magasin, toutes les BD, il y avait Fable dedans, justement, en comics. Et ça peut être intéressant à lire, hein, si vous aimez bien les comics. Et bah, ça existe aussi. Ça a l'air vachement intéressant. On va essayer de marcher un peu plus vite quand même, parce que... C'est pas que je suis pressé, mais... Bon. Alors, regardons le livre des symboles. Oups, mon micro il plante. Oula, ça parle de... De Cendrillon. Là c'est quoi? C'est... Podane, c'est ça? Là, c'est écrit en italien. C'est écrit en latin ou en grec aussi, c'est pas... Facile à déchiffrer. Ah ça c'est la bague. Là on a la bague de... celle qu'on a trouvée. Là on a le truc des Lannister. N'importe quoi. Ah, il n'y a plus de pages. Là on a Robin des Wab. Je sais pas ce que c'est. Bah c'est toujours la bague là. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. This is the one. Where's this symbol from? Which family or story? C'est pas lire en fait. Family name? Alelairo? I'll go look it up. Alelairo. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Pudding. Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as... Pou de cul. Ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the content. Il est énorme ce personnage, je crois que je vais bien le kiffer. Donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter. Pou de vache. Faith. Oh merde. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. C'était pas le bon truc là, hein? Should I? T'es censé épouser sa fille, je crois. Miss Snow? Yes. J'ai pas bien compris en fait. Please. Je crois qu'il était censé épouser sa fille et du coup elle s'est barrée, c'est ça? Mais pourquoi justement, pourquoi elle est triste alors? Parce que c'est bien pour elle, ou alors c'est mal pour son père. Lawrence, Prince Lawrence. Laurence Darabi. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. Ah d'accord. More than we. C'était yeah. Podane en fait la meuf. We should talk to the husband. Oh putain, c'est quoi ce truc de fou? En fait, c'était Podane la meuf. Ouah, je sais pas. Ouais, on peut pas l'exclure, on peut pas dire que c'est le principal suspect. Ouais, parce que ce serait beaucoup trop facile de dire tout de suite que c'est le principal suspect, alors que voilà. Mais si c'est écrit dans le conte que c'est bien, alors c'est bien. Non, mais je pense que c'est... On peut pas l'exclure, mais c'est vrai qu'on peut pas tout de suite l'accuser. Moi, je pense tout de suite au bûcheron. Blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Bah maintenant, on va savoir la Faith déjà. Show me Faith. C'est bien, donc c'est bien la prostituée. The powerful magic her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. Ah oui, c'est ce qu'elle disait. These lips are sealed. C'est ce qu'elle disait au tout début, c'est lèvres étaient scellées. Qu'elle pouvait pas parler, qu'elle lui dirait peut-être plus tard, je crois. Hein. Je crois, je suis pas sûr. Et si on me pose la question. Show me faith. Through power. Merde. Je voulais passer le truc parce qu'on allait voir. Je pensais qu'il y avait une autre réponse, mais. Enfin, qu'il y avait d'autres phrases. Lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Bon bah le père et ensuite show le prince. Faith's father.
The old king. C'est Snake, avec son bras mécanique. Ah, il est mort, putain de merde. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Il s'est tué. C'est quoi ces chaussures classe? Enfin, classe. Plutôt moderne. If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. C'est vrai que j'essaie de pas faire trop de des vidéos trop longues parce que après du coup je sais que ça fait 40 minutes la première partie faisait 40 minutes, ça fait trop je trouve pour une vidéo. C'est bien de faire petit à petit parce que du coup maintenant je veux dire comme ça on veut attendre la suite qu'avoir tout d'un coup, vous voyez, c'est un peu chiant. Bah, je sais pas si vous m'avez compris mais it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? Ouais, ouais, je suis là. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi, shit. Hey! What was that about? Putain. Hard to say. Something going on over. D'accord, putain, c'est le frère du bûcheron. I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Je pense qu'on va s'arrêter après le fruit du whenever you're ready. Le fruit du l'appartement. En fait, le temps, je le vois par rapport à la capture du son sur Audacity qui est décalé par rapport à la capture, parce que je le fais pas. Je synchronise qu'après, donc je commence déjà la capture de la voix, c'est pour ça. Maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help too. Well, where to first? Où allons-nous? Fouiller dans l'appartement. Où allons-nous? Oh putain, le choix de fou. What's her husband's name? Lawrence. Oh, le choix de fou furieux de merde. Ouais, appartement du crapaud, parce que lui, on peut les... Ouais, ouais, le prince, je pense que c'est... De toute façon, elle est morte, qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est morte, qu'est-ce qu'on s'en fout du coup que... Voilà, que ça soit vraiment pertinent qu'on aille fouiller dans son appartement à lui, quoi. Enfin, un prince qui a un appartement, ça fait bizarre. Ah, l'appartement du... Ah, c'était pas le... Ah, c'était l'appartement à lui. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois que c'était l'appartement de... C'est pas le bûcheron. Merde, j'ai pas le temps de dire hey. Hey! Mais c'était pas le bûcheron. Il est où cet enfoiré? Shit. Le mec, il a disparu en 2-2. Oh, j'adore Blanche-Neige. Elle est trop jolie. J'adore. I'm sorry. That's enough, all right? Just shut it. Ouh, la petite a pleuré. Si, si, moi je m'en souviens bien. Par contre, ouais, tout ça qui était démonté. Je suis pas sûr que tout ça soit vraiment démonté en fait. C'était pas autant le bordel en fait quand on s'est battu. Je sais plus. Je peux pas aller par là. Y'a pas grand chose à faire en fait. Woodsman never did much reading anyway. De toute façon, il savait pas lire, là, on s'en fout. Y'a un truc par terre là. On peut pas le ramasser. What kind of asshole swings a lamp at a guy? Bah, le bûcheron. Gros trou dans le mur.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de quitter. C'est Mrs. Crapaud. Son père l'a violé. Non, c'est horrible de dire ça. C'est horrible. Je suis désolé, c'est horrible. Is that his son? Toads, I think. Mais non, c'est sa fille. Be nice in there, okay? Mais oui, je suis sympa. Je vais pas le manger, ça va. Lui parler ou entrer? Hey, Tom, parlerai. You in there? Bigby and Miss White. Surely you didn't come all this way just for my bother. Qu'est-ce qu'il a fait? Sorry, Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought there was someone else in Woody's place. There wasn't, trop though. Mignon, dit. Not when I checked. Nothing but a leaky drain pipe. Imagination must have got the best of me. So, you know, false alarm. Qui pleurait? Ah putain, il y a deux choix là. There was someone, but they took off when we got here. Is that right? I guess your dad's ears have a year or two left. Haven't gone totally to the dogs, eh? Moi je sais pourquoi il pleure. Are you all right? He's fine, Miss White. Just stung his little toe. Better swimmer than Walker, just like his dad. Wanna? So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. Je crois que c'était une fille, moi. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. Somebody was in your building. This is for your own safety, Toad. You called us, remember? Yeah, yeah, I know, and I appreciate it, mate, but... Fine, relax. We'll be out of here in a minute. I just want to check things out first. All right, all right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea. Toujours triste derrière le pauvre. Grown-ups, am I right? Ah non, c'est une white garçon. Hey, you know what? Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. I'd really love to see it. Is it in your room? It has a weevil. Cool. Genre c'est la même voix que la petite Clémentine là dans Walking Dead. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Qu'est-ce qu'il a fait? Now this happened. Fucking hell. Damn thing must have fell off a table. J'ai découvert quelque chose. Just fell off the table. All the boy was faffing about, playing salts and saltfish. Who knows with the lad? Surtout qu'il était même pas branché parce qu'il y avait déjà les deux prises sur le truc. Your lock's busted too. Bon, moi je pense qu'on va s'arrêter. The lock. It looks like somebody kicked in the door. Christ's sake, a fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. J'espère que ça n'a pas fait un épisode trop long, du moins. Oh, la gueule qui tire. Ouais, ouais, je vais couper là. J'espère juste que ça va... J'espère que ça sauvegarde, parce que... Putain, ça a pas sauvegardé, quoi. Bon écoutez, on va s'arrêter là et puis je reprendrai la prochaine fois. Bah merci d'avoir suivi ce deuxième épisode du Let's Play et je vous dis à bientôt. Salut les gars.